le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement barré. Complètement dingue. Je vais tester les fameux lits en carton des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, ces fameux lits en carton dont tout le monde parle en ce moment. Est-ce qu'ils sont vraiment confortables? Est-ce qu'ils vont s'effondrer sous mon poids? On va découvrir tout ça ensemble. Pour tester ce fameux lit en carton olympique, il vous faut un lit et des cartons. Let's go! Ça fait mal, la mère. Et la magie du montage va opérer. Voilà, le fameux lit en carton. Bon, à première vue, ça ressemble plus à une grosse boîte à chaussures géante où t'as envie de mettre dedans et de faire des gros câlins. Mais bon, est-ce que ça tient vraiment la route? On va voir ça ensemble. Bon, en soi, le montage est assez simple. Bon, sauf si vous avez deux mains gauches comme moi, vous n'êtes pas sorti, je vous le dis. Avant tout, on va tester le confort. Ah, c'est vrai, si t'achètes un matelas et que c'est pas confortable, c'est la merde. Aïe. Bon, ça va, c'est confortable, mais je sens que ça cède quand même d'un côté. Mais l'autre est plus résistant. Mais ça va, on va pas se plaindre, c'est cool. Ah, en vrai, j'ai pas envie de bouger. On est bien. Très bien, petit sieste. J'ai l'impression que ça tangue. J'ai l'impression d'être sur un bateau. Mais en fait, non, c'est les cartons qui bougent en dessous, qui sont en train de s'affaisser petit à petit. Mais qu'est-ce qu'on est bien! Et à côté, les lits de chez Conforama, But et toute la clique, là, c'est de la merde. Bon, par contre, pour sortir, bah bonne année, hein. Bon, nous, on est là pour avoir du confort, alors on va simuler quelques situations assez drôles. Enfin, dans la vie quotidienne. Je sais pas si c'est drôle, après, au quotidien. Mais... Oh, 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 ça fait mal. Oh, celui-là, j'ai pas vu venir. Oh, oh, oh. Oh, il m'a fait mal celui-là. Oh, oh, putain. Bon, bah, je vous conseille pas un matelas en carton finalement. Alors, est-ce que c'est confortable? Oui, mais quand tu sautes une fois. Bon, si tu sautes plusieurs fois dedans, ça va pas le faire. Mais ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, est-ce que j'ai tout cassé? Ça va, c'est à plat, mais ça se rebond. Enfin, ça se... Ouais, vous avez compris, ça se... D'accord, hein? Voilà. En vrai, ça ressemble plus à un matelas gonflable. Sauf que là, c'est du carton et que ça se gonfle pas. Bon, ça se dégonfle pas non plus, mais... Ça se remonte. Ça va se remonter. Bon, les amis, les cartons tiennent encore pour l'instant. Ils ont une durée de vie... assez importante pour le moment, mais ils vont pas tenir longtemps avec moi, ça je vous le dis. Du coup, on va passer au test extrême. Et ça, ça va être sympa. Ça va être pas mal du tout, pas mal... Oh. C'est par là. Ça va être pas mal du tout. L'équipe, je viens d'empiler les cartons qu'il me reste. Celui-là, on va le garder pour le grand final. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Passons aux choses sérieuses. Quand je vous dis qu'on fait pas les choses à moitié sur cette chaîne, c'est qu'on fait pas les choses à moitié. Regardez bien. Qu'est-ce que je vais faire comme connerie? Oh là 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 là. Ça tient, ça tient, ça tient. Étonnant. Allez, passons au test extrême, 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 extrême. Est-ce que ça va résister à mes sauts de kangourou? Je ne sais pas, vous ne savez pas, nous ne savons pas. Et respire mon gars, ça va aller. À votre avis, je suis caché où là? Oui, j'étais là. Et maintenant, à votre avis, je suis caché où là? Ah, je suis là. Je suis ici. Voilà. Attendez. Voilà, je suis là. Bon, allez, on arrête les conneries, là. On y va, merde. Allez, là. Oh, tu nous fais quoi, là? Mesdames, messieurs, les tests extrêmes. C'est parti, mon kiwi. En avant toutes. Bon, vous voyez, je peux me jeter dedans, ça résiste. Non, mais tombe pas, toi. Ça résiste, on est d'accord. Bon. Oh, ça fait mal, hein? Mais ça résiste. Moi, mais ça résiste. Attendez, je le rebond. Ah, il y a un petit pot de lumière. Il y a un jour ici, là. C'est bon. C'est réparé. Bouge pas. Pourquoi tu t'allumes? Pourquoi tu bouges? Je vous jure. Voilà, c'est réparé. J'ai tout cassé ou pas? Ça va! Y'a rien de cassé!
Tu fais quoi là? Avant que je finisse ce carton là, je tenais à vous préciser que de base, je devais sauter du premier étage pour finir sur un tas de cartons, mais au final j'ai passé le carton. On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Mais de base, je devais passer par la fenêtre pour atterrir sur le matelas avec les cartons en dessous. Ouais, c'est quoi ce tuer tout ça pour le moment? Bon, de base, je devais passer par la fenêtre et atterrir là. On va faire les choses bien. On va faire les choses bien, bien, bien. Oh, il tient encore! Il tient encore! Faut le finir, les gars! Allez! Oh, y'a pas moyen là? Je suis sûr, y'a moyen. Si je tente. Eh bah ben non, y'a pas moyen. Bon, je voulais faire les choses bien, passer par la fenêtre, faire un grand final. Mais bon, déjà, il y a les voisins, il y a la hauteur. Bon, je pense que je me serais plus cassé quelque chose qu'autre chose. C'est français. Mais bon, on va essayer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis amusé et je suis en sueur tellement j'ai fait le con là. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager une vidéo que vous avez appréciée sur la chaîne. Ça fera extrêmement plaisir. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous cache pas que je vais taper ma meilleure sieste. Même si les cartons derrière, ça m'empêchera pas de faire une sieste d'une heure. Ça, je vous le dis. Bonne vidéo à tous. On se retrouve très vite. C'était Malcolm et je vous dis bonne nuit. Ah, c'est pas si bon. Ah ouais. Là, ça fait mal.